Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Maréchal de France, août 2023, 14h30, nous sommes le 17, on est en Bolivie à Santa Cruz de la Sierra. On a été au marché et on a acheté ceci. On a acheté une bolsa de coca. Voilà, alors comment ça se présente? Un sac vert avec des feuilles de coca à l'intérieur. Alors déjà, il y a une odeur très très forte, vraiment caractéristique, qui nous prend à la gorge. Alors la coca, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Voilà, la feuille sacrée des Indiens, la feuille sacrée des Andes. On a payé ça 5 bolivianos, ce qui fait 60 centimes. Donc il y en a une sacrée quantité. Donc, les Indiens la mettent dans la bouche, la mastiquent, mais surtout prennent bien soin d'enlever la nervure centrale qui blesse la gencive. Voilà, vous voyez ça, ça part à la poubelle pour dire. Voilà. Ah, il y a une odeur, c'est presque écœurant, quoi. Alors, on a fait chauffer un bol d'eau, l'eau très très chaude, et puis on va se faire une petite infusion. Un petit maté de coca. Voilà, on va faire infuser ça quelques instants. Voilà, c'est impressionnant. Donc on va attendre un petit peu. Ouais. Oh, c'est chaud. Voilà. Voilà, la feuille de coca. À l'origine de tous les trafics dans le monde et de toute la corruption. Incroyable, elle est là sous nos yeux. Alors on précise que la coca, c'est pas de la cocaïne. Pour avoir la cocaïne, il faut l'extraire à l'aide d'un processus chimique et de produits assez complexes, assez longs. Et on rappelle que la feuille est complètement interdite à l'exportation, même sous forme de sachet de thé ou de quoi que sais-je. C'est strictement interdit. Voilà, alors le maté est prêt. On va sortir les feuilles et on va goûter ce que ça donne. Il n'est pas tout à fait prêt, non? Aïe, ça prend à la gorge l'odeur. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Voilà. Bon, on va goûter ça. Voilà. Alors, une petite décoction. Petite décoction digestive. Voilà. Alors, on voit que l'eau a verdi un petit peu. Et on va goûter ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, les effets sont certains. Hein, ça donne un coup de fouet, hein, un peu comme le café. Ça donne un coup de fouet. Voilà, il faut attendre un petit peu, mais ça donne de l'énergie. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de votre visionnage et on vous souhaite un bel été à toutes et à tous. À très bientôt sur notre chaîne Maréchal de France.